tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux et celles qui ont répondu donc à cette manifestation de la jeunesse républicaine de Dakar. Moi, je me présente, c'est Papa Omar Diagne. Je m'occupe donc de tout ce qui est communication, presse et information. Donc, comme nous l'avons dit, nous sommes dans le bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous sommes alhamdulillah rabbil alamin. Yalla may ñun dem ci li nga xamantene dañ ko sumu. Chers camarades, jeunesse républicaine de Dakar, définie globalement comme étant l'art de gérer la cité à travers des us et des pratiques reposant sur des principes et des valeurs cardinales fondamentales pour l'essor d'une société, la politique telle qu'observée aujourd'hui au sein de notre parti, l'Alliance pour la République, transgresse totalement les normes d'une telle activité au regard de certaines pratiques malencontreuses érigées aujourd'hui en règle et qui sont de nature à jeter le discrédit sur le personnel politique en général. À titre d'exemple, le culte de la transhumance avec des hommes politiques vomis et rejetés partout vu leur odyssée donc dans les différentes chapelles. Une gestion politique basée sur de l'abstrait, une absence de reconnaissance politique pour les militants les plus vaillants, l'absence d'un cadre de capacitation et d'émancipation des jeunes destinés à mieux les outiller pour assurer la relève. Une tentative de liquidation d'une jeunesse vaillante, brave, engagée, fidèle et loyale qui de 2008 à maintenant a toujours défendu avec beaucoup de courage et de détermination la vision du chef de l'État. Autant de tares qui justifient à juste raison le malaise chronique qui frappe notre parti. Aujourd'hui, c'est avec un cœur meurtri que nous constatons et déplorons ces pratiques malsaines, inopportunes et dangereuses, orchestrées par une bande de lobbyistes, d'affabulateurs et de conspirationnistes dangereux, en quête perpétuelle de prébande et de strapontins au détriment d'une jeunesse qui, plus que jamais, ostracisée, désœuvrée, démotivée, dépitée, complètement laissée en rade, brisant ainsi tout espoir d'entreprendre des lendemains sous de meilleurs auspices. Le dernier scandale en date est la publication récente de la liste des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, HCCT, où on constate avec beaucoup d'amertume une très faible représentativité de la jeunesse, moins de 30%. C'est inadmissible. Nous méritons plus de respect et de considération. Cette jeunesse, qui est majoritaire dans ce pays, avec plus de 75% de la population, doit être davantage impliquée dans tous les processus de prise de décision, car elle constitue l'avenir de ce pays. Nous refusons d'être des godillots qui marchent au sifflet et exigeons davantage d'être responsabilisés et préparés en lieu et place de papiers qui, au crépuscule donc de leur vie politique, refusent de passer le témoin à la jeune génération. La jeunesse d'aujourd'hui ne doit plus être considérée comme juste un argument pour embellir un discours politique, mais appréhendée plutôt comme une réalité socio-politique constituée d'hommes et de femmes souciés de leur avenir. L'absence de générosité générationnelle demeure sans nul doute notre plus grand problème. Nous pensons que l'avenir donc d'un parti repose sur une structure bien organisée, avec un projet politique inclusif et participatif, porté par une jeunesse consciente, responsable, formée et engagée pour le développement économique et social du pays. C'est en cela que nous appelons donc nos chers camarades, pour qu'ils soient davantage associés et impliqués dans toutes les sphères décisionnelles, car nous sommes appelés à assurer la relève. Chers camarades, l'heure est venue d'observer des réformes en profondeur par rapport au mode de gestion classique des partis, consistant à utiliser la jeunesse comme un instrument de bataille et de règlement de compte entre responsables politiques. Ces pratiques indignes doivent être bannies. C'est à nous de prendre nos responsabilités et nous le prendrons. Ainsi donc, face à cette situation déplorable, la plateforme des jeunes républicains de Dakar compte organiser dans les plus brefs délais, dans les jours qui viennent, un grand rassemblement à la place de la nation, suivi d'une marche dans les grandes artères donc, de la ville, et ensuite donc un point de presse. Lorsque l'essentiel est en danger, s'engager demeure un impératif pour tout citoyen, imbu de valeurs cardinales fondamentales pour l'émergence de la cité. C'est en mettant en avant l'intérêt supérieur de la nation que nous parviendrons à bâtir une nation unie, forte et prospère, résolument orientée vers le progrès. Merci beaucoup. Dilen massaw ci xaraay bi yagna suñu jotaay tay bi nak di koy teunk moy am naxar am metit am njaxare bu reuy go xamne mo teunk ni ngank parti bi surtout jëmele ko ci parti bu nga xamne
mo soxal ndaw ñi tay bu ngeen gisee politique buñ koy natable moy nga liggéey ndax li jëriñ askan bi jaarale ko ci ay organisation pour tabax ëlëk mo xam sa réew la mo xam sa organisation la mo xam daaira la mo xam lo mëna def ci aduna politique moy les actes de la vie te valérie lal politique bo gisé bi ci ñëk moy la reconnaissance de l'effort nit bu liggéey ngalaway nañ ko jaajeufal ngalaway nit bu liggéeyé nañ ko encourager nañ ko wanni mi ngi ci yoon bu baax te bo gisé suñu parti moy alliance pour la république bu nga xamné dama ko yag di wax amuñu leneen luddul lolu amuñu leneen luddul APR dañu gis jamono bi ay jëfine yu nga xamné mengowul ak li taxaw ñu engagé wu ci politique bi ci ñëk moy culte de la transhumance ñëpp wax nañ ko transhumance dafa di lo xamné ni réseau social la askan bi ñoko nangotul parce que mënuñu comprendre tay nga ciu suba nga tia comme niko xalé di waxé benen bi ci ñëk moy ni ñi topatowé personnel politique bi téguul ci yoon ci abstrait la téggu ci affaire la yama neex la téggu da ngay gis ku son goudi beccëk nek ci war bi ëlëk bu ñu wara jaajeufal ñu dem jaajeufal ñu nga xamné ci leneen lañ nekkon loolu moy point bu nga xamné aussi bokku na ci lu ñuy ñaawlu benen bu ci téggu moy absence de reconnaissance politique pour ñi gëna jaajeufal pour ñi nga xamné ñoo gëna xarañ ci ligéy bi amna aussi lu ñuy wax absence de cadre moy amuñu suñu parti tay ben pinch bu nga xamné fofu lañuy chambaré ndaw ñi fofu lañuy formé ndaw ñi fofu lañ leen ni joxé outil yi nga xamné ëlëk dina leen permettre ñom ñu mëna yor parti bi lolu aussi ñing koy déplorer amna ben mbébet bo xamné ni ñeppam koy mbébet moy dañu japp ni parti bi ñi fi nek tay amuñu lenn luddul tek tank ndaw ñi une tentative de liquidation de la jeunesse moy ndaw ñi duñ leen encourager dañ leen ni décourager tay bo nek ak responsable bo nekul reporteram ngeen balma bokku journaliste yi boko dul filmer boko dul partager duñ la considérer loolu lañ bëgg jappé le militant jeune moy kenn ko xamné dang fi nek tay di partager di publier loolu luñuy ñaawlu la benen tar bu nga xamné constater nañ ko moy le malaise chronique liñu naxarul ni du lu bess yag nañ ko naxarlu ci parti bi ñeneen daan nañ ko naxarlu ba tay amna ñu koy naxarlu te japp nañ ni euro safara ko jotna tay bo gisee ni ñuy waxe moy suñu xol neexul tay parce que yaakaaroon nañ ni bis buñu jëlé cadre di wax suñu parti ci leneen lañuy wax loolul naxar biñu constater tay bu ngeen gisee li mujj moy ci nomination as CTC yi ñun japp nañ ni ndaw ñi li nga xamne dañu waxon 2018 mandat bi moy mandat wu ndaw ñi yaakaaroon nañ ni 2019 à 2024 mandat bobu ci ay jëfine dinañ japp ni yefu ndaw ñi la bo gisee STCC ndaw ñi amuñ fa taxaway lol te fiñu jëm Sénégal fiñu jëm affaireu jeune la ni ñu jakkar lol ay ndaw la kon raté nañ occasion wu reuy bo xamné waron nañ dolel ndaw ñi pour ñu mëna def face à cette opposition liñu gëna ñaxtu moy jeunesse bi c'est 75% bo gisé Sénégal témer yo jël juroom ñaar fukk yek juroom danaka selon estimation yu mujjé def ay ndaw lañ kon ndaw moy tabax réew bo bëggé tabax sa réew investir ci say ndaw lolu bokku na ci lu nga xamné ñi ngi koy joytu motax ndaw ñi dañu taxaw ni ñom dañu bañ ni kenn du leen utiliser nekkuñu fi pour yama neexu kenn nekkutuñ fi pour ñu leen utiliser comme li tubaab di wax de la chair à canon heureu xex bu joté ñu leen dem leen xex heureu wacc terrain bi ñom lañuy wo heureu taf affiche ñom lañuy wo te heureu jaajeufal bu joté ñu melni dañ leen faté ñu melni dañ leen beddi fim nekk ni bëggatuñ ndaw ñi ñu jappel leen argument de campagne wala argument pour orner un discours moy boy wax ndaw dal ñu ngi koy tudd rek ci discours politique mais ci jëf ci acte considéré wuñ leen jappé wuñ leen sax ay nit lañ ay goor lañ ay jigen lañ loolu lañ bëgg tawit mu dakk
si ngeen jogé fi tay l'avenir du parti bi dañu né ci ndaw ñi le wéru kon ñi ngi ñaan kilifa parti bi ñu gëna dolel ndaw ñi parce que bo bëggé tabax ëlëk da ngay investir ci sa jeunesse kon ñi ngi woté ñi ngi appeler à ce que ñu am plus de considération à cette jeunesse bu nga xamné vraiment gatché ngalama xex nañ xex yépp am nañ taxaway yépp kon dessul ludul ñu armé len outil len parce que ëlëk ñom ñoo wara yor parti bi kon mbokk camarade yi heure bi dafa jot ñu woté ay topité yu xut yo xamné war nañ ko def ci suñu parti alliance pour la république tambalé ko ci parti bi nga xamné mo intéressé ndaw ñi parce que c'est la majorité des militants ay jeune lañ té ndaw ñi vraiment soxla nañ ñu chambar len soxla nañ ñu outil len soxla nañ ñu jox len ay jumtu kay yi nga xamné dinañ mëna assumer ëlëk rôle bi len di xaar moy té parti bi donc liñu jakkar lool ni moy assemblée générale bi liko wundul lool moy wax luñu metti wax luñu naxari ci doxalinu parti bi nga xamné d'accord ñu ci parce que mom lañ am suñu parti rek lañ am di woté dox dajé benen yoon ci yenen activité bo xamné bu ko laagé Omar wax nako ci version française bi déposer suñu demande de marche pour dem place de la nation joytul ñu naxar yépp parce que ay sénégalais lañ ay citoyens lañ aussi